Il existe une nouvelle façon de visiter Provins et sa région, le vidéoguide. Alors c'est tout à fait nouveau, hein, puisque ça a été mis en place au mois de juillet de cette année. Et l'objectif, c'est de faire découvrir le territoire de Provins et du Provinois. Hein. C'est un projet de la communauté de communes de Provins, donc de faire découvrir tout notre territoire par l'intermédiaire d'un outil, je dirais, de médiation que sont les vidéoguides. Alors, vous arrivez à Provins ou alors à Beuthon-Bazoches, hein, puisqu'il y a deux entrées de territoire pour pouvoir louer ces appareils. Donc, pour Provins, vous venez à l'Office du tourisme de Provins et on vous loue donc le vidéoguide. Et dans ce vidéoguide, vous avez tout un contenu historique, tout le contenu historique de la ville de Provins. Ça vous donne accès également à l'intérieur de tous les monuments. Et également donc des explications sur les rues, les places, enfin tous les extérieurs de la ville, ce qui n'existait pas avant. Un guide papier est également fourni et vous permet de choisir et de visualiser votre parcours. En route donc pour la petite commune des Marais, nichée à l'abri des regards et qui pourtant mérite le détour. Le principal avantage est déjà de permettre à la commune, quand elle a un certain charme, ou un charme certain comme la commune des Marais, de se faire connaître sur un territoire qui est illuminé par la ville phare qui est Provins, ce qui est logique. Et le souhait, c'est que le visiteur puisse rester un petit peu sur le territoire et s'apercevoir qu'au-delà de Provins, il y a des communes dans lesquelles il y a du patrimoine, il y a de la nature, il y a de la diversité sur le plan du paysage. Et donc, dans notre communauté de communes, le vidéoguide permettra à ce visiteur de se promener tout au long de notre territoire. On sort des grands axes, on sort de la départementale qui relie principalement telle et telle commune. On fait passer par des chemins plus petits, plus détournés. Et c'est une respiration sur le paysage, une sorte de philosophie itinérante comme ça. Une promenade lyrique à travers le Provinois, qui abrite quelques merveilles à découvrir absolument.